Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à Truck Racing sur PlayStation. Alors, il faut savoir quand même que les jeux de camions ne sont pas très courants, enfin, en tout cas. Il y a des jeux de camions, hein, mais Truck Wheeler par exemple, mais c'est pas forcément des jeux de course de camions. Savoir que course de camions, ça existe vraiment, oui, c'est très particulier, c'est assez spectaculaire, c'est, ma foi, fort intéressant, mais c'est quand même particulier. Le dire alors que le jeu est en train de charger parce que voilà, c'est déjà très puissant un camion, mais alors là on passe à des puissances vraiment extrêmes, même si les courses sont pas spécialement ultra rapides, ça reste quand même des courses très très amusantes à suivre. Et donc ce jeu nous propose de faire des courses de camions comme en vrai. Alors je vais faire start, malheureusement on va pas voir directement le jeu, on va revenir dans le menu. Donc c'est un jeu sorti donc sur PlayStation, donc on va voir un peu ce que ça donne. Je pense pas que le jeu paye forcément 2000, mais on peut peut-être tomber sur une bonne surprise. À voir évidemment au fur et à mesure. Alors, on va faire une option, déjà voir ce qu'on a. Alors, on a une difficulté, alors que je trouve dès le début que le son est un peu fort au niveau du jeu, peut-être moi qui me trompe, mais... Alors, on a la difficulté du jeu, medium, easy ou hard. On peut mettre plusieurs tours, 3, 6, 9, 12, 15, on va garder à 3 tours pour le moment. La musique, on va la mettre à 6, le SFX on va le monter un peu. La vibration on peut l'activer, donc on va faire back, c'est bon. Et on va donc démarrer. Alors on nous propose de mettre notre nom. Jusque là, tout va bien. On va faire donc suivant. Qu'est-ce que ce jeu a à nous proposer? Alors c'est assez bizarre ce fond d'écran un peu pastel là, enfin un peu... Le turquoise. Les temps de changement sont plutôt longs, vous l'aurez compris dès le début de cette vidéo. Je m'attendais à une introduction en fait, je pense que vous aussi. Mais en fait, bah pas du tout. Et bizarrement, ce jeu, il a un menu qui me parle. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de menu dans un autre jeu. Alors vous allez sûrement vous souvenir de quel, mais alors moi pas du tout. Alors on a des circuits. Je sais pas s'ils existent, je pense pas, honnêtement, aucun ne parle. Midway Circuit, bon voilà, on a Midway Raceway sur Gran Turismo, mais à part ça, y'a pas grand chose. Longbow, bon, ça me dit rien. Rivermaid, on va faire un au hasard, de toute façon, on va faire Isla Raceway. Et on a donc des camions qui ont pas de marque, hein. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont pas de licence. On peut juste changer la couleur. Ah, celui-là il est en biton, c'est pas mal. Puis c'est tout. Ah si, quand même, on a un vert et jaune, jaune-violet, bleu... Ah, c'est quand même assez réduit en termes des choix. Bon, allez, on va prendre un horrible, on va le prendre en marron. Et on va démarrer la course. Alors, il n'y a pas d'autre mode de jeu, apparemment, hein. C'est une course sur chaque circuit. Et puis, c'est tout. Je pense qu'au niveau contenu, on va être assez limité. On va voir si ça ressemble à d'autres jeux qu'on a fait avant ou pas. Les chargements sont vraiment, vraiment, vraiment longs. Allez, c'est parti! Alors, c'est parti, je pense qu'on accélère avec le croix. Ouais, c'est bon. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Alors attendez, c'est ultra rapide. Bon, je freine, je pense avec carré. Ouais, jusque là c'est bon. Ok. Ouais, il y a une latence extrême en fait quand je tourne, c'est à dire que quand je commence à tourner. Alors c'est pas forcément irréaliste, hein, le camion n'est pas forcément réactif dans sa direction, hein. C'est quand même très lourd. Et là quand même, wow. En fait, pour vous expliquer, là je commence à tourner, voilà, et ça tourne. C'est vraiment très très lent. Ma foi, peut-être. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces circuits quelque part. Hein. Comme si ça venait d'un autre jeu. Un fameux jeu de F1, je me demande si c'est pas F1 Challenge. Grand Prix Challenge. Il y avait un circuit, un jeu sur Play 1 comme ça, et j'ai l'impression d'avoir les mêmes graphismes aussi. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit la même équipe qui ait fait ce genre de jeu. Ma foi, pourquoi pas. Alors, pour l'instant, je vais pas changer la vue, j'ai l'impression. Là, je ferai, donc tout va bien. Si j'appuie sur rond, il se passe rien. Si j'appuie sur R2, on peut voir derrière nous. Si j'appuie sur R1, on peut changer la vue. Sur L1, pardon. L1, on peut changer la vue. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on a une vue embarquée?
Ouais. Alors par contre, t'as pas eu de cockpit, ça c'est dommage. Alors après, ma foi, le camion est plutôt réalisé correctement. Enfin, c'est sûr, c'est le mot de la plaisir, mais pas grand chose de moins. Le jeu est propre quand même. Alors je trouve que je vais dire les mêmes choses que j'ai dit pour les autres, pour ça. Ah mais je suis tellement persuadé que c'est le moteur de jeu d'un autre jeu derrière. On dirait vraiment la même chose. Après ça m'a pas l'air très difficile. Hein. Complètement, on est en mode moyen, on sort plutôt bien dès le début. Le gameplay n'a pas l'air très profond. Alors ce qui était marrant à l'époque, enfin court, hein, c'est toujours les championnats de truck. Ça passait d'ailleurs sur Motor Story, il semble, à une période. C'est que souvent ils avaient tendance à avoir l'arrière qui partait en haut de travers, ce qui fait que ça donnait l'impression d'avoir des camions qui driftaient dans les fours. C'était vraiment impressionnant. Je veux dire quand même que ça doit être très compliqué à gérer quand même en autoroute, parce que vous doutez bien qu'au niveau du ratio poids, il y a quand même un énorme problème. C'est-à-dire qu'on a le poids qui est quasiment tout à l'avant, hein, ce qui est logique, puisqu'après derrière on est censé avoir une remorque. Mais là on n'a pas de remorque. Donc on a tout le poids qui est vers l'avant, et j'ai l'impression que à chaque fois le camion il va se renverser quoi. Donc on est que 6 sur la piste. Donc là on a game over, je crois que c'est bien. On va faire X pour continuer. Alors le fait d'organiser cette course, qu'est-ce qu'on va débloquer? On va débloquer rien du tout, ou tout simplement on doit faire la prochaine course, je sais pas. Alors, on va prendre... Oh, si, ça me rappelle quelque chose. Je m'étais même fait la même réflexion en disant, voilà, ça, le circuit ressemble à tel autre circuit. J'en ai un qui ressemble à Speed Ring, etc. On va prendre le Midway Circuit. On va changer de couleur. On a un jaune, par exemple. Bon, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est déjà super limité. Bon, c'est quand même pas mal hein, d'avoir un jeu de camion, pourquoi pas. Et je suis pas du tout convaincu par la maniabilité de ce jeu. Il y a des chargements qui sont très longs. Ce qui est assez étonnant parce que souvent c'est des jeux qui n'étaient pas forcément très lourds sur lecteur de CD. Sachant que la Play 1 avait un lecteur CD qui était en 1x. Enfin, en gros, il tournait à une fois la CD. Alors que la Saturn avait un lecteur CD en 2x, ce qui fait qu'elle pouvait avoir les temps de chargement un peu plus réduits. Mais là je doute que ce soit le genre de jeu à remplir le CD, hein. Je pense que c'est le genre de jeu qui va faire peut-être 200-300 mégas sur un disque maximum. Par rapport à Gran Turismo par exemple qui était totalement full. Okay, donc là, ça tourne pas mal. Ça fait déjà un peu plus intéressant techniquement. Des faux sponsors, hein, bien sûr. Alors, on n'a pas de licence dans ce jeu, pas de dégâts, j'ai l'impression, sur le véhicule non plus. Bon, quelques petits effets graphiques aussi. Le jeu, franchement, le jeu est beau. On est sur Play 1, il est pas mal. Le clipping n'est pas trop élevé, on voit plutôt loin, très loin, parce que c'est rare. Franchement, ça fait un gros tourisme et un très bien contrôlé sur ce mode de jeu, pas sur ce sponsorant. On va essayer de dépasser le premier. Alors, il y a juste des vibrations, bien sûr, pour les dans la grande option. Et c'est plutôt correct, hein, on se touche légèrement la manette vibre. La genre de la piste, ça vibre aussi. Par contre, vous voyez, les collisions entre les joueurs, c'est quand même assez dégueulasse. On se remontir dessus. Je pense que j'ai les mêmes commentaires pour le jeu sur lequel il s'inspire. La technique est bonne. La base est saine. Franchement, la base est saine. Hein. Mais il manque maintenant la profondeur. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que je vais m'amuser longtemps avec ce jeu? Alors, c'est souvent des jeux qui n'étaient pas vendus 450 francs, 500 francs. Hein. Je pense à 200-300 francs maximum, voire peut-être moins. Donc il n'y a pas de prétention à la base, ce qui fait que les équipes prennent le jeu pas très cher, ils savaient qu'ils n'allaient pas faire beaucoup d'argent, mais ils tentaient leur coup. C'est souvent comme ça d'ailleurs que certains petits studios se font remarquer. Hein. Alors là, ça sera pas le cas, je pense, pour celui-là. Mais voilà, ça reste quand même un jeu plutôt correct, hein, niveau technique.
Dommage qu'il soit, il manque de durée de jeu. Je pense que la durée de jeu, il n'y a pas grand chose. Une fois que j'ai fini tous les circuits, je pense que le jeu est fini. Complètement, il n'y a plus rien à faire. En plus, on est en mode moyen, donc je pense que le mode difficile peut être un peu plus relevé, mais hormis ça, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à faire. Alors évidemment, on peut sauvegarder la partie, je sais pas ce que ça va nous rapporter ou pas, mais une fois qu'on a fait le circuit, qu'est-ce qu'il nous reste, quoi. C'est un jeu qui va vous prendre... allez, peut-être en une heure il est fini, hein. Là on platine le jeu, hein, concrètement. on a déjà fait deux circuits, on a rien après pour nous dire si on a réussi. Si je fais back, en plus ça mettra un temps énorme pour revenir en arrière. Ça par contre c'est intolérable, hein. Concrètement, un menu qui met autant de temps à charger... sur Gran Turismo c'était déjà un peu pénalisant, mais il y avait du contenu. Là, y a rien. Y a rien, concrètement. En plus, je voulais de revenir en arrière pour changer mon nom, n'importe quoi. Ça fait peut-être penser à un jeu qui aurait pu être développé pour sur la Net Hero Z, le CD et la console de création de jeux PlayStation. Alors, je vous propose de mettre la difficulté en difficile. Ça, au moins, on va aller jusqu'au bout. On va faire Start. On va valider notre nom à nouveau. Et on va passer à la suite. On va essayer un autre circuit. Hein. Peut-être que... On va essayer de voir un circuit, le dernier circuit, peut-être voir. Peut-être qu'il est intéressant par rapport aux autres. Les circuits n'ont pas trop différents entre eux. Hein. Enfin, pour l'instant, entre les deux qu'on a vus, il n'y a pas trop de différence. On va prendre le Houghton Raceway. Et on va prendre un vert jaune. Presque être les couleurs de Renault en BTCC en 98. Un petit peu. Et le temps de chargement. Toujours aussi. Heureusement qu'ils ont mis un peu de musique, hein, parce que vraiment. Il n'y aurait pas eu beaucoup d'ambiance. Alors. C'est pareil, 6 voitures, soit 6 camions, pardon, c'est un petit peu dommage. Alors, dans mode difficile, on va voir si le jeu a quand même une chaîne à nous proposer. Parce que peut-être que le mode normal est trop facile, c'est pas intéressant pour tout ça. On sait jamais, on va voir. Alors que là, on est un petit peu dans la campagne, c'est au moins, c'est au moins sympa, le décor a un petit peu changé. Alors, déjà, l'IA semble un peu plus rapide jusque-là. Ok, donc déjà l'IA est un peu plus forte. C'est déjà plus intéressant. Alors évidemment, je pense qu'on change pas les pneus, on va pas au stand. Alors petit détail graphique sympa aussi, hein, le changement de rapport qui est visuel à droite. Compteur de vitesse. Là par contre je me fais rouler dessus. Concrètement, je suis super nul. Mon coéquipier d'ailleurs, je tire mon coéquipier aussi là. Elle a l'air bien plus rapide, là je me suis monté. Eh, là c'est plutôt difficile, et franchement ça me plaît, parce que honnêtement, si ça avait été aussi facile qu'en mode normal, ça aurait pas été intéressant du tout. Mais par exemple, ce qu'ils auraient pu faire, c'est mettre un petit mode championnat, ça aurait pas payé nous. Voilà, bon, c'est 4 ou 5 courses, comme toutes les courses, un classement, et puis basta, ça rallongeait la durée de vie de manière un peu artificielle, certes, mais en tout cas. De manière logique, enfin, on attend dans un jeu de voiture quoi, d'avoir au moins un championnat. Et je suis plutôt là, record 51, best lap 55. Je vais essayer de pas finir dernier. À quelques buts de crissement de pneus aussi, ma foi, correct. Je suis pas rapide du tout. Donc au moins le jeu a du challenge. Voilà, ça va être un petit point de plus pour le jeu. Il n'a pas grand chose, mais voilà, il ne fera pas un mauvais jeu. Oh là, il reste plus que deux virages à faire. Je n'ai même pas réussi à terminer dans les trois premiers. Je suis même pas avant-dernier. Et du coup, ben, on va faire la course. Ah, j'avoue, c'est chaud. Là, franchement. Dernier.
Ok, c'est pas grave. Je vous montrerai une autre course. Alors on voit quand même que c'est le même pilote à chaque fois. Darren, Harvey, Warren, Chuck et Chris. Peut-être des développeurs. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Ah, j'ai failli voir Aliar, je crois que c'est Rally Sport en fait, hein, qui a été mis en sponsor. Sur le tracé. Ok, alors on va faire un circuit peut-être un peu différent, enfin on va essayer de trouver un circuit différent surtout. Je crois que le River Maid, ça se trouve, il est peut-être en ville. Allez, on va quand même tenter. On va prendre en couleur... turquoise. Pourquoi ? Encore en 1,29. Ah, le circuit a l'air quand même plutôt long. Je pense qu'on va finir sur ce sur ce circuit. De toute façon, je pense que j'ai plus ou moins tout dit sur ce jeu. Il n'y a pas grand chose hein, à dire. Très simpliste. Mais t'aurais écouté la musique. On n'est pas en vie. Là, j'ai une forte accélération, j'ai encore pris un bon départ. Le prochain virage va faire mal. Ah, ça part, on dirait un circuit un peu plus. Pas classique, comme là, mais. Ah, du coup, je sors de la piste. Petite chicane. Ah, pas mal, j'aime, franchement, c'est joli circuit. Non, on va essayer de passer jeu. Ah, je crois que je suis sur toi de ça. Tracé. Ok, donc là on est en tête par contre. Je remets un petit peu la vue arrière. Ah, on a une petite vue arrière, regardez, avec le camion qui se balance. Et là, bizarrement, bah, je m'en sors. Je m'en sors vraiment mieux tout à l'heure. Hein. Pourtant, on n'a pas changé la difficulté, vous avez vu. Un peu de cette gagnée en mode difficile. Ah, par contre, j'aurais été étonné parce que le circuit d'avant c'est super dur, j'arrive même pas à les rattraper sur ce que terminer 5ème. Là c'est facile. Le jeu va-t-il perdre un demi-point ou un point pour son incohérence en difficulté? Je ne sais pas. Jusqu'à 193 km avec un camion. Imaginez le freinage. Imaginez un 38 tonnes avec sa benne foncer à 200 km/h dans un mur ou sur l'autoroute avec plein de gens devant, mais c'est un carnage. Hein. D'ailleurs, Burnout, il me semblait qu'il y avait même, on pouvait débloquer un bus. Mon père, il me semble qu'on pouvait débloquer un bus pour après faire les cours de crash. Ça, c'était beaucoup moins rapide, du coup, on n'était pas très rapide, mais au moins, dès qu'on touchait, on faisait vraiment mal. Non, c'est un camion de pompier. Non, franchement, j'aurais bien aimé, par exemple, voilà, typiquement, j'aurais bien aimé avoir le moteur graphique de ce jeu, par exemple, pour un Touka, par exemple, un petit Touka 2, un Touka ou un Touring Car. Au niveau du moteur de jeu, il est quand même vachement joli, hein, ça passe vraiment bien. Comme pour un auto, donc, lui, ça va pas gâcher. Un bon moteur de jeu, un bon moteur de jeu. On n'a pas trop de problèmes de ralentissement, tout est bon. On a fini le deuxième tour, on va essayer de terminer au moins la course. Je pense que de toute façon, on pas là-dessus, hein. Quelque chose à rajouter. Non, c'est 93, je me suis trompé, pas de ça. Quand même. Alors, je sais pas combien montent les moteurs de camion dans la vraie vie, mais en tout cas. On va monter bien plus haut que des 1000 chevaux. Hein. Je pense qu'on doit même peut-être atteindre les 2000.
est quand même à 9000 tours de minute, hein, aussi au niveau du moteur, c'est ultra violent. En général, le moteur de. Tout le temps, hein, je crois que les moteurs de camions, c'est que des moteurs diesel, donc c'est souvent des moteurs qui n'ont pas spécialement les tours, en général, c'est plus bas que les moteurs essence. Là, quand même, 9000 tours pour un diesel, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, c'est dommage, c'est qu'il fait un bruit trop laid, le camion. Et je vous conseille, hein, je faire un coup d'œil sur le jeu, par exemple, taper Race Truck et jouer des courses de camions. C'est vraiment pas mal. Franchement, c'est assez intéressant à suivre. Et peut-être en tendance à faire de bonnes passes d'armes entre eux, c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien. Comme quoi, ça sert pas forcément d'être ultra rapide. Hein, quand la formule est bonne, ça passe très bien. Bon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Donc, c'était Truck Racing sur PlayStation. Alors, est-ce que je recommande le jeu? Non, pas vraiment. Enfin, après, vous pouvez toujours le tester, et quand même, ça peut être sympa. Mais vous allez très vite vous ennuyer, donc c'est pas un jeu que je recommande sur console. Je mettrai j'y mets 12, hein, tout simplement. Enfin, les 8 points pour tout le reste et 12 pour le côté technique qui est bon. Voilà, tout simplement. Et le reste, c'est vraiment très très réduit. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!